Item item code. Item code as mettons integer. Write correct. Allez, console dot write qui nous dit enter item code. Correct. Nous vous dit enter item code. Enter item code. Correct. Maintenant, item code pour gagner valeur. Item code est égal à console.readline. Console mal écrit. .readline. Voilà, item coding est valeur. Maintenant, il y a trois façons pour faire. Deux façons pour faire. Premièrement, vous savez pas if. On va dire if. Voilà, on va commencer là. If. Item code. Si item code est plus grand ou bien égal, qui chiffre pour dire commence par 5 digits, mais il besoin n. Il dit 0, voilà, 5 digits. Combien de digits? N, 2, 3, 4, 5. Si il besoin plus grand ou égal ça, et en même temps, item code, c'est que tu item code, il besoin moins ou égal. N, 9, 9, 9, 9. Combien de digits? 5. Si dans ce cas-là, il commence par, qu'est-ce qu'il dit? Commence par N. Correct? Si item code commence par N. So range li 10000 à 19990. Là, là, qui pour output? Console, suivez ça bien. On va faire ça pour vous. Console.writeline. Li pour output. Item est égal à qui ça fait? Item is quoi? Item. Is CD item égal, je vais mettre ça, item égal CD. Et déjà, il y a un CD. Item égal CD, je pense, je suis un crédit comme ça. Item égal, il y a un CD. Voilà, else. Bon, pour pas dire qu'il fait rentrer, pas qu'on qui nous peut faire, on peut remontrer maintenant. C'est nous peut faire un papier d'examen. Voilà, je vais te donner ça. Papier d'examen là, c'est juin 2017, question 19. A company has 5000 items. A company has 5000 items. Ok. Of which you have CDs, you have DVDs, you have video and book. Each item code is 5-digit code with the first digit identify the item. Silly N with the CD. Si l'ID veut dire DVD, si l'ID 3 veut dire vidéo, si l'ID 4 veut dire book. Dans ce cas-là, il y a 5 digits item code, il commence par N, veut dire il y a un CD. Dans ce cas-là, book code, il commence par 3, veut dire il y a une vidéo. Voilà. Et là, nous avons écrit un programme et nous avons output là. Voilà. This was the question. Et je vais essayer de résoudre ce problème-là, c'est la VVB. Vous allez qui peut suivre. Veut dire, là, qui m'a dit, ok, moi je dis enter item code. Voilà, si item code est plus grand qui, il commence par N et il finit par N. Son minimum valeur est pour ça et son maximum valeur pour ça, il est pour output un CD. Maintenant, si ce n'est pas un CD, nous devons checker est-ce qu'il y a un DVD. Comment vous checker il y a un DVD? En dans ça, if then else là, vous pouvez mettre ça chiffre là. Il commence par D et maximum il est pour là. Je veux dire, là, dans ce cas-là, il prend un DVD. 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 Voilà. Maintenant, s'il n'est pas un CD, il n'est pas un DVD. Qui est capable de dire, d'après nos questions d'examen? Je veux dire, CD, il commence par N. Et DVD, il commence par 2. Et vidéo, il commence par 3. Et il est 5 digits. Correct? Il est 5 digits. Maintenant, s'il y a une vidéo, qui vous pouvez écrire? Voilà, je copie-paste ça. Je veux dire, en dans un if then else, pour un autre if then else. Et il est pour 3, il commence par 3. Et il finit par 3. Je veux dire, son maximum valeur est minimum. Non, je vais faire erreur. Là, je vais faire erreur. Ctrl Z. Non, il ne pas faire Ctrl Z. Ctrl Z. Là, ici, qui motive le sens. Il commence par 3. Je veux dire, il y a une vidéo. Voilà, là, on va corriger ça. Il commence par 3 et il termine par 3
Et s'il commence 3, il termine par 3, il pointe vidéo. Vidéo. Correct? Maintenant, s'il n'est pas un CD, il n'est pas une vidéo, qui est capable de. Voilà. S'il commence par 4 et il termine par 4. Voilà, dans ce cas-là, il y a 5 digits. Et s'il est 4, il y a un book. Il y a un livre. Et item égale book. Voilà, book. Correct. Otherwise, vous pouvez envoyer un autre commentaire. S'il n'est pas dans sa range là, il n'est pas là aussi. Nous pouvons écrire invalid code. Qui nous pouvons écrire invalid item code. Nous pouvons écrire invalid item code. Voilà, invalid item code. Voilà. Ça m'a expliqué. Maintenant, vous pouvez run li pour tester li. Mais les mots run li pour tester li, rappelez bien de mettre console.readline en bas pour bloquer li. Voilà. Et là, je run mon programme. Voilà. Et je mets un exemple 5 digits. Je mets enter item code. Si item code, mettons li N0, N0, N. Combien de chiffres il y a? 5, non? N, 10, 3, 4, 5. Il y en a 3. Non, non, il y en a en plus. Non? N, D, 3, 4, 5. D'après autres, qui réponse, vous dire? Item là, qui était? Allez, me pose question. Allez, dis-moi, item là, qui peut aider? Un élève répond. Allez, Ayush, item là, qui peut aider? Non? Non? Il commence par N. S'il commence par N, il est dans sa range là. Qui peut aider? Ce premier digit, dans sa 5 digit là, s'il commence par N, il est dans sa range là. S'il est dans sa range là, qui item il peut aider? Item là, qui est? CD. Tu comprends? Maintenant, il y a la question là. Par exemple, pour faire ça pour toi là, ça. Il commence par 3. Tu devais commencer par 3. Allez, on met 3, 0, 0, 5, 5. D'après toi, qui peut aider? Allez, nous pourrons lire. Celle-là, là, nous présentons. Il tient un CD. Tu ne fais que dire qu'il tient un CD. Correct, ça, c'est bon. Maintenant, on va rendre le même code avec 3, 0, 0, 5, 5. Correct, là? Allez, nous rendons le. D'après toi, qui peut aider dans le cas, là? Ouais, 3, 0. Allez, 3, 0. Encore, qui c'était? 3, 0, qui c'était? 3, 0, 5, 5, 0. Il y en a 5 digits. Et s'il est dans 5 digits, il commence par 3, il prend une vidéo. T'as trouvé? Voilà, il y a une vidéo. Et là, voilà, mon ferry, Mr. Livernas. Maintenant, si je donne toi un autre code, qui n'est pas commence par N, il n'est pas commence D, il n'est pas commence 3, il n'est pas commence 4. Par exemple, s'il commence par 7, et il y a combien de digits, moi tu dis 5 digits. Là, d'après toi, qui lui vous dit toi? Ouais, il peut écrire invalid item code. Get bien. Il peut pas dire non, rien. Il peut dire invalid item code. Parce qu'il fait, s'il commence par N, il y a un CD. S'il commence par D, il y a un DVD. S'il commence par 3, il y a une vidéo. S'il commence par 4, il y a un book. Mais s'il n'est pas dans sa range là, il peut écrire invalid code. Comment mon explique-toi? Je vais revenir encore une fois. Mettons, il commence par 9. Il peut dire toi, il y a un invalid code. Get bien. 9 digits. 9. 0, 0, 0, 0, combien de digits il y a? 4, 25. Il peut dire invalid code. Maintenant, vous pouvez revenir avec le commence par 4. D'après autres, qui peut dire si il commence par 4? Allez, dis-moi. Bouh. Get là, 4. Ouais, 4. 4, c'est pas. Allez, 4, 4, 4 même. Combien de digits il y a? 5. 1, 10, 3, 4, 5. Il est bon là. Il peut dire bouh. Quand là, tous les enfants, ils ont ça là? Voilà, ça c'était VB. Correct? Maintenant, si j'ai envie de faire ce programme-là sur flowchart, si j'ai envie de faire ce programme-là sur flowchart, qui est supposé faire de moi, je ne vais pas donner personne. Sur flowchart, c'est comme ça. Correct? Vous dessinez ce flowchart-là pour vous. Allez, check bien. Correct? Flowchart, c'est comme ça. Start. Voilà. Zoom infini, vous pensez, vous allez rentrer là. Allez, rentrer.
Allez, tout le monde, c'est vrai, rentrez là. Moi, je vais faire flow chat pour vous, pour ça, numéro là, là. Correct. Allez, flow chat, nous allons faire là. Pour ça, numéro là. Et en même temps, on fait lien de toute façon. Oui, si jamais vous déconnectez, bien, bon, je t'envoie un message comme ça, les amis, vous connaissez très bien. C'est pas moi, tu connais. Ok, et vidéo, péricode pour sa session là. Hein. J'espère que je vais suivre. Allez, la plupart, je vais rentrer là. Oui, la plupart, je vais rentrer et je vais trouver mon écran. Croque là, hein. Voilà. Je suis mal. Allez, maintenant, nous continuons. Nous mettons, nous voulons déclarer mon variables. Ok. Nous vous déclarer. Qui nous vous déclare item code? Item code as integer. Correct. Nous pouvons déclarer item code as integer. Et là, qui nous besoin faire? Input. Nous besoin input. Qui nous pour input? Nous pour input item code. Et là, qui nous besoin faire? Nous besoin checker. Is item code, is item code. Ok, then range. Qui range était premier code? Les 10 000, mon pensé. Jusqu'à qui 19 999. S'il est dans sa range là, yes. Qui dit pour output? Dit pour output, yen. Output, yen CD. Maintenant, s'il n'est pas dans sa range là, tu es obligé de checker un autre range. Ok, tu es obligé de guetter is item code. On va écrire i code, hein, item code. Li entre qui ça fait à qui ça fait. Li entre. Ouais, voilà. Vous allez me suivre moi. Li pour entre 20 000 à combien? 29 999, parce qu'il commence par D. Les là dans ça car là il pour output un DVD et ça il peut continuer comme ça. Il pour output un DVD. Bon, vous êtes capable de continuer à faire ça flowchart là pour moi envoyer lui les mots corrigés que je. Là mon déjà une idée flowchart là comment vous voyez. Correct, mon déjà l'idée là. Maintenant vous pouvez modifier. Ouais, mon fini mon deuxième flowchart là. Maintenant, vous pouvez modifier, vous pouvez faire ça pour vous. Moi, je vais le faire. Et select case. Select case. Allez, maintenant, je vais vous faire ça pour une select case. Hein? J'espère que vous allez suivre. Si j'ai envie de faire ça pour une select case, je vais commencer mon enter item code. Je vais mettre ça là, select. Je vais mettre select case. Et qui va y avoir, je vais checker item. Voilà, item code. Voilà, on va check item code. Et en bas, on va mettre un select. Maintenant, case
si item code lit de sa range là, voilà qui range nous mettez, copie, nous payez ça là, nous mettez là. Si item code lit entre, voilà, nous mettez ça là. Là, les là qui nous voient output, nous voient output qui viennent CD. Voilà. Et là, ça nous a delete. Maintenant, je copie ça. Deuxième, je vais faire hein? Je vais faire ça pour une select case. Voilà, ça ne change. Ça ne change. Et ça ne change. Voilà. Réunis là pour changer, c'est hein? Commencement du bout. D là, voilà D, ça vient 3, je vais tellement là, je vais découper, une couper là, voilà, ça 3, ça 4, ça 4, bon, les bouts CD, après qu'il est mis, DVD, après vidéo, après qu'il est venu, book, check un peu, bon là, et case L, ça en bas là, moi delete tout ça là. Correct, moi espérer, vous allez me suivre. Hein. Correct. Et là, nous mettons case else. Voilà. Case else qui nous mettait invalid code. Nous mettons invalid book code. Invalid item code. Voilà, allez, Astiano Ranli. Allez, tu allez suivre moi là. Correct. Maintenant, nous run programme là, nous guettons carré. Pour vous pouvez aller qui en retard, pas trop suivre ça. C'est un papier d'examen, juin 2017. Juin 2007. Voilà. Maintenant, mon Ranli. Voilà. Je teste li. Si je mets item code, mettons N0000. Je vais dire que j'ai un CD. Si je mets un autre code, mettons mon run avec. Commence par D. D0000. Je vais dire que j'ai un DVD. Et si je commence par un chiffre 8, je vais dire invalid book code. Invalid item code. Genre 8000. Voilà, évidemment, invalid beaucoup. Là, j'arrive mon répondeur que tu as envie de faire dire passer la case. Est-ce qu'il est correct là? Oui. Maintenant, si un élève a envie de faire ça pour plusieurs livres, combien de livres tu as la question là? Là, combien d'items? Tu as 5000 items. Correct? Mais un élève a envie de faire lire pour 5000 items. Là, il y a une affaire qui ne m'a pas encore expliqué. Dans la prochaine classe, on peut expliquer. Tu es obligé de créer une autre variable, disons, appelle ça i. Tu es obligé de faire une loop. Voilà, on va essayer de faire une loop. On va dire for i est égal, disons, n à 5. N à 5. 5. Là, moi, je vais faire 5000. On va faire 1 to 5. Voilà. Et en bas, on va mettre next i. Ça, on va faire une loop. On ne peut pas encore expliquer ça. Ça, dans la prochaine classe, on peut expliquer. Et là, on va faire une loop. Que des for i is equal to 1 to 5. Et en bas, je mets next i. Je vais dire pour répéter ça, pas pour un seul item. Pour 5 items. Je vais dire que je vais faire 5 fois les diamants même affaires. Ça, je ne peux pas encore expliquer. En mettant, je vais mettre item code N00, les diamants book. Les ré diamants, je vais mettre D000, les diamants DVD. Je vais mettre 3000, les diamants vidéo. Je vais mettre 4000, les diamants book. Je vais mettre 5000, les diamants invalides. Et il fait ce programme là pas pour une fois, mais il fait ce programme là pour 5 fois parce qu'il me met un loop pour rouler 5 fois. Ça qui fait la différence là. Il met un loop. Il fait 5 fois.
Voilà. Ça, on fait un loop. Ok, les enfants? Maintenant, sur flowchart, pour ça, c'est la case là. Il faut parer comment ce qu'il faut faire là. Il faut parer sur flowchart pour parer. Je veux dire, start, declare item code, input item code. Si item code de sa range de 10 000 à 19 000, il faut output CD. Si entre 20 000 à 29 999, il faut dividir. Et ça, il faut continuer pour vidéo et il faut continuer pour book. Correct là? Vous en suivez là? Allez, réponds-moi, écoute. Allez, correct là. Oui. Est-ce qu'il m'a fallu passer la case? Tout en fait, je vais run du tout. Maintenant, je vais prendre une deuxième question papier d'examen. Ça, un mois fini. Je vais prendre une deuxième. Je vais vous dire, moi, l'arc seulement. Et je vais faire une loop si là-dedans. Hein? Je vais faire une loop. Mais c'est moi, je ne vais pas écrire 5000. Je vais écrire 5. 5, si je fais 5000, c'est facile. Comment je vais faire 5000? Regarde là. Ça loop là. Je vais mettre encore 0 là-dedans. Je vais faire 5000. C'est moi 5000. Je vais perdre beaucoup de temps. Je vais mettre 5000 pour rouler. Si pour 5 lignes, je vais Je veux dire pour 5000 pour moi aussi. Correct? Ça m'a fini d'expliquer bon élève. Maintenant, ça m'a fini pour faire le programme maintenant. Moi, tous les élèves, ils travaillent ça item part cost là. Correct? Moi, je trouve ça. Mais c'est moi, je ne vais pas répondre à notre question là totalement parce qu'ils ne m'ont pas encore fait tout là-dedans. Celle-là, c'est novembre 2008. Une compagnie peut faire un produit et dépendant qui item les peut servir. Si il servi item part 1, ce cost sans et. Si il servi item Type 2, ce cost sans et. Si il servi item part 3, ce cost sans et. Mais il y a ce cost pour sans et dépendant qui item les PC à vie. Correct? Les cas servi item 1 ou bien 2 ou bien 3. Et compagnie là, combien item il peut faire? Il peut faire 1000 items par day. Et tu peux écrire un algorithme, etc. Correct là, je vais suivre moi là. Bon, ça code là, je vais finir à vos autres sens. Parce que si je ne vais pas avoir les autres sens, je vais vous dire. Et moi, c'est à vos autres, ça dans Classroom ou bien. Je vais si je vais autres, ça dans WhatsApp même. Correct, je vais vous autres, ça dans WhatsApp même. Pour que vous gagnez un code là. Et comment vous avez dit là? Vous devez là? Et vous avez copié ce code là, vous avez gagné. Vous avez fait un code. Si vous avez fait un doute là, vous avez gagné ça le code en ifs and else là de quoi? Ça, c'est moi qui ai fini à vos autres. Vous avez dit combien de cas en bac? Pas quoi c'est loin ah il a mon quoi là aussi de gagner là voilà ça coûte là aussi mon carabouille là un mythe ok mon avis tous les deux là ouais mon avis tous les deux là ça aussi mon carabouille là va copier remli et je dis à moi copy remis. Allez, maintenant, voilà, là. Ça coûte là aussi, moi je finis à vous les autres. Regarde, André. Le cas remis, le cas checké. Maintenant, je vais faire un autre programme là. Hein. Je vais faire celle-là. Je vais dire, il y a trois qualités item. Je vais dire qu'il m'a besoin enter, c'est item type. Correct, je viens de VB. Je vais sans dire là, je vais dire item type. Item type. Dépendant ce type, on va dire enter item type. Ok. Ok, enter item type. Item type, il y a type 1, type 2, type 3. Mais si item type égal, qui nous met égal 1. S'il est égal 1, regardez qui est arrivé. Correct. Correct. Si item type, il y a 1 qui peut arriver. Sinon, si item type n'est pas 1, est-ce qu'il est 2? Si il égale D qui peut arriver. S'il n'est pas D, il est capable 3. Regardez qui est arrivé. Ok, s'il est 3 qui peut arriver. Maintenant, nous avons nos coding. S'il n'est pas 2, il n'est pas 3. Regardez qui peut arriver ça là. Hein? Ça m'a tiré 4 P dans mon pensée. Ça m'a tiré. Ça m'a fait tirer, m'a fait corriger ce programme là. Maintenant, si item type li 1, item cost pour 100, il nous a fait l'item cost de la question là. Ce cost pour 100, j'espère que je vais question là. On reprend la question là pour vous. Si item type li 1, ce item cost li 20 part cost
multiplié par n.5. Correct, mauvais copie, il faut 1000. n.5. Item cost, li pou vin. Voilà, part cost. Maintenant, moi j'ai besoin de déclarer un affaire comme appel part cost. Je veux dire part, c'est une partie part cost. Je veux dire part. Part cost, moi j'ai besoin de définir as double, decimal number. J'espère que les enfants avaient suivre. Maintenant, part cost. Part cost. Moi j'ai part cost. Correct, part cost. Oui. Égal, défaut. Ah, je vais venir à corriger. Là. Correct. Là, nous corrigeons ça. Et ça ne fera là qui peut arriver. Item cost. Item cost ou pas? Item cost qui m'a fait? Pas déclaré. Ah, ouais. Item cost. Ouais, vous avez déclaré. Très bien, merci. On vient là, on met un virgule là et on déclare là. Bien bon. Maintenant, erreur qui m'a fait faire, c'est si tout qui est arrivé, il est 2.5. L'autre là est 5. Voilà, ça est 2.5. Correct, ça bon. C'est moi si 1. Attends, il y a une erreur là, mon gars. Il y a une erreur, erreur. Ça ne suffit pas à mettre. Moi j'ai une erreur là. Ça ne suffit pas à mettre item type ça. Ok, item type. Et là, ici, besoin console de readline. Console de readline. Ouais. Steer. Ça, ici, besoin n.5. Oui. Ça, il y a une erreur là. Item. Item type. Ça. Voilà. Si item type, il y a 1, support cost pour win ça. Ça, mon pensée, il y a un créatif. C'est l'idée qui diffère. C'est les 3 qui nous font. Bon, pour item cost pour changer. Oui. C'est qu'un coût de l'instant. Ça, mon colibine 2.5. Question là, je dis là devant je viens. Et ça, mon pensée, 5.0. Allez, maintenant, le réglage de questions là pour vous qui va suivre. C'est question d'examen, ça. Hein? Correct, voilà. Et sinon, nous pouvons envoyer un commentaire, nous vous dire invalid item cost. Item type. Et là, dans commentaire, un commentaire, s'il n'est pas ça aussi, nous pouvons mettre right line, nous pouvons mettre invalid item type. Invalid item type. Correct, allez, nous checkons un coup. Bon, nous aurait quelques questions là pour vous aider qui peut suivre. Je veux dire, manufacturing, il peut manufacturer. Je veux dire, ce item cost pour changer dépendant sur part cost. Et maintenant, il y a une question là-dedans. Il y a besoin enter part cost. Il y a besoin dire enter item type. Et il y a besoin enter en coin d'affaires. Il y a besoin enter en coin d'affaires. Qui est-ce qu'il y a besoin enter? Part cost. Part cost. Ouais. Part cost. Ouais, part cost, il y a besoin enter. Il y a besoin d'infinir et marquer. Correct. Podcast, tu peux gagner valeur. Ok. Podcast. Bon, très très bien, les élèves trouvent ça. Mais il y a une règle de programme là. Programme là, il peut dire toi, enter item type. Si il type 1, qu'il peut faire? Il peut faire ça. Si il type 2, il peut faire ça. Si il type 3, il peut faire ça. Si il pas 1, 2, 3, il met ça pour pareil. Bon. Let's finir enter item type. Tu as besoin item part là sur cost. Si item type est 1, ce part cost de fabrication est multiplié par n.5. Sinon, il est multiplié par 2.5, il coûte plus cher. Ou bien il est multiplié par 5, il coûte beaucoup plus cher encore. Et dernière, nous avons output. Qui nous avons output dernière? Nous avons output item cost comme on peut écouter. Ok, je veux dire, dans l'air, nous avons output item cost sur valeur. Dans l'air, nous disons item cost. Ah, un average. Non, mais average, il faudrait nous faire pour plusieurs. Mais attends, item cost, il faudrait nous faire pour plusieurs. Average, je ne peux pas expliquer dans la classe, je peux expliquer après. Je veux dire, item cost, je peux mettre sur valeur pour le moment, parce que loop, je ne peux pas expliquer.
L'allen calculate item cost là, moi, je vais valer là. Right, voilà, ça c'est mon programme. Je réponds aux questions là pour les élèves qui ne comprennent pas. Je vais dire, je peux bien input podcast avec item type. Et il y a trois possibilités. Voilà mes trois possibilités. C'est moi pour 100 items, ou pas 1000 items, ou pas encore faire libre 1000 items là. Je vais dire input item type avec podcast, qu'est-ce que je veux dire. Et je vais dire output item cost. Ça, dès là, je vais finir faire. Mais average, je ne peux pas encore expliquer parce que average pour besoin pour 1000 items. Je ne peux pas encore expliquer, mais vous savez, Randy. Maintenant, je vais essayer Randy, je vais expliquer aux élèves qui nous peut input item type. Il y a trois possibilités. Première possibilité, deuxième possibilité, troisième possibilité. Quatrième possibilité, c'est l'invalide. Et là, nous entrons sur podcast, sur item cost pour changer. Là, nous entrons sur podcast, sur item cost pour changer. Item cost pour changer, dépendant sur item type. Et dans les budgets, item là se cost. Maintenant, je vais rendre le programme là pour que vous allez comprendre. Et en même temps, je vais envoyer le code là. Je vais envoyer le code là pour que vous allez rendre le code là. Et je vais envoyer le code là dans WhatsApp. Voilà. Adresse li, je vais guetter. Correct. Maintenant, je vais rendre le code. Voilà. Et je vais faire ce flowchart ici là. Voilà. Maintenant, je vais choisir item type 1. Je dis maintenant podcast. Podcast, mettons, on met des roupies. Item cost sans et divine 3. 3. Mais si ça ne fait pas, je ne pas servir à type 1, je servir type 2. Ok? Je veux dire, pour produire l'île, je vais m'amplifier. Je veux dire, je vais servir type 2. Mais podcast, je vais garder. Comment tu dis podcast là? De même, non? Élimine plus. Écoute-moi, plus 5. Maintenant, si je choisis type 3, troisième façon de faire item là. Je vais mettre type 3, je vais mettre 10 roupies même. Je vais beaucoup de moins plus. Item là, sur production, je vais moins plus. Je vais faire 10 roupies. Je vais dire, si je choisis type 1, façon de faire, je vais beaucoup de moins bon marché. Si je servis deuxième façon pour faire, je vais beaucoup de moins plus. Si je servis troisième façon pour faire ce produit là, je vais beaucoup de moins 5 fois plus. Voilà. Maintenant, je vais finir avec le code et je vais faire ce flowchart. Correct, je vais sélectionner, je vais faire ce flowchart. Si je ne comprends pas, je dis à moi. Après, je vais faire un select case. Voilà, ce flowchart vient comme ça. Correct. Start. Qui m'a fait input? Bon, moi directement le input parce qu'il ne m'a pas pour gagner l'état faire declaration. Je vais input. Qui m'a fait input item type? Qui m'a fait input item type? Et deuxième affaire, je peux input c'est podcast. Allez, maintenant, il y a trois possibilités. Première possibilité, ok. Average, ouais, average. Sous if it is correct. Ok, bien, rien fait average, il y a encore, vous savez, corrigez les poulies, nous avons écouté un charme. Laisse-moi finir faire un peu plus facile là. Et nous faire. Allez, une minute aux autres. Il y a 3 ou 4 possibilités, nous essayons de travailler là. Voilà. Première possibilité, deuxième possibilité et troisième possibilité. Bon, ici c'est quoi? Is item type item. Je vais dire rouge. Is item type égal n. Si égale n, ici is item type égale d. Ici is item type égale 3. Correct là? Maintenant, si dit n, qui dit pour faire? Il y a un process pour faire. Si dit d, il y a un autre process pour faire. Si dit 3, il y a un autre process pour faire. Dernier point qui k, il fait ça un process là et retourner. Mais s'il passe à trois possibilités là, il y a un autre output là. Invalide. Ok, il paraît là. Et là, il y a l'en bas. Maintenant, ici, qui dit pour output? Non, il peut faire item cost. Item cost égale à pod cost fois n.5. Ici, item cost est égal à pod cost
fois D.5. Écoute, plaisir. Ici, item cos est égal à pod cos fois 5.0. Correct. Dans les potes qui cassent, ils n'ont pas fait là ou là. S'il dit pas yes, là, ça type de yes, ça yes, ça yes. S'il dit no, s'il dit no, il dit no encore. Il dit pas 1, 2, 3 item cost. Là, vous faites output. Qui dit pour output? Invalid item type. Invalid item type. Et dans le dernier, là, il dit pour output. Qui dit pour output? Il dit pour output. Output ici, c'est item cost. Item cost. Voilà, on finit fini en termes flowchart. Maintenant, je vais modifier le programme là, je vais faire en termes select case. Correct? Voilà. On va faire select case item type. J'espère que vous allez suivre. Et la première possibilité, case, si item type est 1, qui va faire? Il va faire ça, je vois. Ah, qui est arrivé là? Nous copions ça, CTRL X, nous avons dit là-haut. Correct. Maintenant, nous copions ça. Copie. Nous pèsons ça encore une coûte. Nous pèsons ça encore une coûte. Nous sommes ça. Là, nous delete ça en bas là. Voilà. Allez, case, si item type est 1, ou bien est 2, ou bien est 3. Enfin, c'est tout suivre là ou ça me tue le mauvais côté là? Okay. Allez, right. Ici, il y a 2.5. Il coûte plus cher. Ici, il y a 5.0. Encore plus cher. Production de ça, item là. Et il y a une autre possibilité ici. Qui nous écrit? Case. Qui nous écrit? Case else. Dernière possibilité. Case else. Voilà. Case else, qui nous mettez? Invalide. Ouais, voilà, invalide. Mais dire item type, il faisait 1, 2 ou bien 3. Là, je delete tout ça là. Mais c'est moi qui ne pas delete ça derrière là. Quand il ça calcule, il va finir calculer ça item cost là. C'est même pour donner moi là. Voilà. Maintenant, je teste là. J'espère que vous allez suivre. Je modifier le programme là. Dans ce cas là, je fais là pour un select case de place un nested event else. Correct, si tout bon, on va vous jeter sa code là. Voilà, nous run-li. Et nous pouvons run-li, nous mettons item type. Item type, méthode est 1. Support cost, méthode 10 roupies. Et il coûte moi 3 roupies pour faire li, si je fais li par méthode N. Maintenant, si je ne fais li par méthode N, je choisis méthode D pour faire li. Méthode D, si je choisis, voilà, je choisis support cost 10 roupies. Il coûte moi plus cher, il coûte moi 5 roupies. Maintenant, si je fais pas méthode 3, écoute-moi encore plus. On choisit la troisième méthode. Voilà, support cost 10 roupies. Écoute-moi 10 roupies pour faire. Voilà, programme là, c'est comme ça. Maintenant, on va faire vos autres codes là. Ok, on va espérer vos autres CAVD. Voilà, on a vos autres bonnes codes là. Et vous êtes capable de prendre votre cas CAV. Ça flowchart là, moi pas connaître si moi capable copier paste, mais moi pas faire les jeudi, mais moi penser je dois faire les jeudi. Cause quoi ça maintenant? Non, flowchart là pas venu. Penser flowchart là, mon récit à vrai dire, ouais, un récit à vrai dire à partir. J'ai mon fini là, Alouchi. Si moi viens c'est mon fini là. Mais allez, maintenant, si j'ai envie de faire pour 1000 items, je vais expliquer comment faire un loop. Allez, je vais faire pour 1000 items là. Hein? Je vais convertir, je vais mettre un loop. Là, je vais faire sur average là. Ça, je ne vais pas encore expliquer, mais je vais faire pour un des élèves qui déjà connaît comment faire loop. Allez. Loop, moi, pour un peu expliquer, mais seulement, combien rester 10 minutes? Allez, je vais attendre moi là, je vais courir tout seul.
Allez, right. Maintenant, je vais finir avec les accords là, mais je vais modifier les. Je vais ajouter loop là-dedans. Virgule, je vais dire loop, je vais dire répétition. Je ne vais pas expliquer dans la classe là. Mais c'est moi, je vais avoir les pour les élèves qui désaccordent. Je vais introduire une variable i, l'integer. Et si je fais un loop, je vais mettre for i égale, je ne vais pas expliquer ça. For i is equal to n, a, mettons, je vais dire 1000, non. Mais moi, je fais les 1000, je fais les, disons, commencement, 10 3 fois. Et en bas, je vais mettre next i. Next i. Je vais dire, vous répétez. Combien de fois vous répétez? 3 fois. Allez, je vais vous montrer comment ça fonctionne. For i is equal to 1 to 3. Et en bas, je vais mettre next i. Et tout ça code là en dans lui. Je vais dire, vous répétez ça 3 fois. Et si je mets ça 1000, de place 3, je vais mettre ça 1000. Je vais faire 1000 fois. Voilà, je vais run lui. Voilà, je vais mettre item tag, disons n. Je vais mettre cost là des roupies. Il coûte moi 3 roupies pour faire. Maintenant, je vais choisir la deuxième méthode type 2. Je vais mettre des roupies m. Il coûte moi 5 roupies. Je vais mettre type 3 et on met des roupies m. Il coûte moi 10 roupies. Bon, qui se en prend là-dedans? Type 1, il coûte moi bon marché pour faire lui. Item cost là, il vient 3 roupies. Et si je choisis la deuxième méthode pour faire lui, item type 2, il coûte moi 5 roupies pour faire ce produit là. Et si je choisis la troisième méthode pour faire lui, il coûte moi 10 roupies pour faire ce produit là. Mais il y a 3 méthodes. Maintenant, si j'ai envie qu'on average. Average, je vous ai expliqué dans sa classe là. Pour faire average, tu as créer un affaire total. Total. Correct. Et commencement, tu as mettre total égale 0. Je vais dire, créer total average. Average. A-V-I-R-A-G-E. Average. Voilà, je crée average et total. Et commencement, je fais average avec total 0. Voilà, avant on rentre dans le loop là, on met total 0, avec ça initialization of variable. On initialise les 0. Et average si, avant on rentre dans le loop là, on fait les 0. Je veux dire, mettre les propres clearly. Voilà, on finit créer un total avec average. Et commencement, on fait les 0, je veux dire, fait les blank. Et dans le loop là, chaque fois que je gagne un item cost, chaque fois que je gagne un item cost, je vais ajouter le total. Je vais dire total est égal à, c'est même avec ça totaling, je vais expliquer dans ma prochaine classe. Totaling is equal to total plus, je vais expliquer dans ma prochaine classe, plus item cost. Je vais dire total est égal à total plus sa item cost là. Je vais ajouter là-dedans. Et là, tu es sorti en dehors loop là, dernier. Là, tu fais average. Average, comment tu calcules? Tu prends total. Tu divises par combien d'éléments tu as. Dans ce cas-là, tu as 3. Et là, tu finis calculer ton average, ton output to average. Mais déjà, average cost, tu peux être là. Item average cost, je vais mettre A-V-E-R-A-G-E, average cost égal. Tu peux égal ça average qui tu as calculé là. Correct, tu peux average. A-V-E-R-A-G-E. Bon, sa classe-là, je vais refaire ça. Comment calculer le total, comment avoir average. Mais je vais donner un code là pour les élèves qui déjà connaissent comment faire lui. Voilà. Là. Maintenant, je vais lui et je connais combien de fois il peut rouler. 3 fois, pas 1000. Ça va. Si je vais faire 1000 là, de place 3 là, je vais sentir que je fais 1000. Bon, mettons type 1, podcast des roupies, il fait 3 roupies. Type méthode D, il vous fait autant. Et méthode 3, il fait autant. Et average cost pour produire cet item là, il coûte moi 6 roupies en average. Pour méthode N, il coûte moi 3 roupies. Pour méthode D, il coûte moi 5 roupies. Pour méthode 3, il coûte moi 10 roupies. Mais en average, pour faire ça item là, il coûte moi 6 roupies en average. Ok? Maintenant, si moi j'ai envie, roule ça pour 1000 fois. Et que moi je vous sens ça 3 là, là, moi je fais les 1000. Et programme là, moi je vous finis répondre. D'après papier d'examen là, tu peux faire 1000. Et tu peux calculer average. Et output average. Mais déjà, moi je finis répondre sa question à l'examen là en entier. 5 points. Les programmes là, moi je finis écrire. Maintenant, on peut avoir les autres programmes là. Correct. On finit répondre en entier. Le cas run li, le cas tester li. Bon, presque arrive la fin de mon classe. Si quelqu'un a une question, il est capable. Ouais, il y a des élèves, il finit avec moi. Voilà, il y a des élèves, il finit avec moi. Un enfant, il finit avec moi ce devoir. Très très bien. Comment il a appelé ces enfants là? Réjamant. Biarri Nakul. Ouais, Biarri Nakul, il finit avec moi. Il y a un programme là.
Très très bien, félicitations pour lui. Un petit bravo, bien rien à couler, mais tout dit bon, moi. Mais il ne fait pas Yves Zanels, pas mal. Mais c'est moi, bien rien. Tu sais, guetter comment maman le fait, moi je fais un peu plus bien que ça. Ok, c'est guetter mon programme. Pour te la rassurer, moi tout dit correct, mais c'est moi une plus bonne façon de faire, dis-moi. Voilà, mon verre avec ta code là, te guetter un code. Maintenant, moi presque arrive la fin de mon classe. Ok, bien rien à couler, envoyé. Ah, mon envoyé. Attends. J'ai déjà envoyé ça dans le groupe là. On a envoyé 6 biaris. Ah, il a. Ah, c'était mon envoyé dans le groupe là. Allez, tous enfants, il y a un là. On a envoyé pour le groupe là. On a envoyé ça, ça, ça. Ok, bonne question qui me dit une autre. Deux questions, mon réponse aujourd'hui. Le book là, mon réponse, ça, mon réponse. Et mon réponse, ça. Mais il y a une encore question. Ça, mon trouver un autre élève, il fait pour le time. Pourquoi ça, il fait ça doux. Correct. Pourquoi Ken il fait ça? Et il a encore question l'examen. Vous espérez que je fais cet envoyement. Correct. Maintenant, on arrive à la fin de mon classe. Ok. Bon, je vais vous demander une question. Écoute-moi bien. Semaine prochaine, moi, pour commencer classe là-bas, dans le bâtiment, commencer 7h ou bien 7h30. Je vais envoyer un message. Je expecte que les élèves qui vont venir, je vais envoyer un message si ils sont venus. Et je vais envoyer un camarade qui vont venir. Finir vraiment le message pour vous connaître, pour vous répondre. Ok, mauvais stop.